Nous sommes sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, ville qui se fait appeler aussi Pays des Laves. Et pour cause, partout autour de nous, il y a des coulées volcaniques. Nous sommes sur la coulée de 2005. Ce n'est pas la plus récente parce que le Piton de la Fournaise, chaque année, fait des éruptions. Moi, je suis né dans cette région et depuis étant très jeune, je me passionne pour les éruptions volcaniques parce que ça fait partie de mon milieu. C'est devenu une passion et donc je la partage avec beaucoup de monde. Il est vrai que le Piton de la Fournaise est un peu la vedette de l'île de la Réunion. C'est le site le plus fréquenté, mais il y a aussi son frère aîné, le Piton des Neiges, qui n'est qu'un volcan endormi. Une grande partie du territoire donc, fait partie du parc national de la Réunion et est inscrit aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui gère cet ensemble pour le protéger, parce que l'île est marquée par l'endémisme de sa végétation et de sa faune aussi. Il est vrai que le Piton de la Fournaise est une vedette à La Réunion parce que c'est le site le plus fréquenté, mais il y a aussi l'intérieur de l'île qui est complètement fabuleux, que l'on parcourt à pied ou dans les airs, c'est toujours un régal pour les yeux. Je suis passionné par les volcans et cela depuis mon plus jeune âge parce que le Piton de la Fournaise a fait très tôt partie de mon environnement familier et familial et j'ai assisté à toutes les éruptions de la Réunion que j'ai filmées et je les partage maintenant soit avec les médias, soit avec les Réunionnais ou les gens du monde entier parce que cette passion pour moi est un plaisir et une passion se partage. Notre projet documentaire est de recevoir donc à La Réunion Sylvain Redouté, qui est l'un des plongeurs spéléologues les plus expérimentés au monde. Ça va être un plaisir pour moi de l'accueillir et de lui montrer ce que je sais sur notre volcan. On va aller sur la coulée 2007 qu'on a appelée la coulée du siècle.
J'ai assisté à cette éruption depuis le début, dès les premières heures jusqu'à la fin, et donc je vais pouvoir lui expliquer ce qui s'est passé. On ira donc voir en surface, mais ensuite nous irons dans les profondeurs du volcan, dans les tunnels secs, pour voir ce qui s'est passé en dessous, comment la lave a circulé. Ensuite, Sylvain me fera partager sa passion lui aussi, et il m'emmènera dans les tunnels ennoyés. Auteur de plusieurs records, Sylvain fut notamment le premier plongeur à dépasser les 200 mètres de profondeur en siphon, et il est également détenteur de la plongée souterraine la plus longue, 26 heures dans une galerie ennoyée avec une eau à 10 degrés. Mais au-delà de ces records, Sylvain est avant tout un passionné de génie. Regarde Sylvain, oui. C'est là que je voulais t'emmener, tu vois, ici, bon, il ne faut pas oublier qu'on est à La Réunion, et toute La Réunion c'est une île volcanique, tu vois, toute La Réunion est un volcan, et donc ce qui s'est passé ici c'est une belle illustration de comment cette île s'est formée, parce que tu vois, de l'autre côté là, tu as l'océan, mais avant il n'y avait que l'océan, il n'y avait pas d'île, ouais. Voilà, et c'est sorti de la mer comme ça, et ça a donné cette île-là, et depuis, ben, cette île n'est pas finie puisqu'il y a encore des éruptions et tout le temps, donc l'île s'agrandit. Bon, à notre échelle, ça nous paraît long, mais à l'échelle géologique, ben, la Terre a son temps, elle prend son temps et elle est en train de continuer à fabriquer cette île-là. D'accord. Et cette éruption, c'est l'une des plus belles que j'ai jamais vues. Tu vois, à chaque éruption, la superficie s'agrandit un petit peu. Pas à chaque éruption, mais on va dire que pour les éruptions qui arrivent à la mer, oui. Voilà. Ça a grandi d'une trentaine d'hectares à chaque fois. D'accord. Parfois, il y a un peu qui disparaît, hein, puisque la mer, de toute façon, est toujours en lutte avec la terre. Mais elle s'agrandit, effectivement. Ouais. Et cette éruption, vraiment, elle était complètement phénoménale. Et j'étais là, tu vois, tout le temps. Je l'ai vue depuis le début jusqu'à la fin. J'ai tout suivi, j'étais là tous les soirs. Et je pouvais pas me lasser de ce spectacle. Et c'est pour ça que je t'ai emmené là, pour que tu sente un peu, tu vois, tout ce qui s'est passé, cette force tellurique qu'il y a c'est de la géant. Terre et qu'on continue à sentir. Comment ça t'est venu, cette passion ? Ben, écoute, il y a deux raisons essentielles. Hein. Déjà, on peut dire que La Réunion, c'est l'origine de la Terre, en quelque sorte, hein, puisque ça continue à se former. Et puis, c'est aussi la Terre de mes origines. Et je dois cette passion surtout à un homme, c'est mon grand-père, qui habitait juste à côté, là. Et quand j'étais tout petit, à l'âge de 4 ans, j'ai vu ma première éruption. D'accord. Et je comprenais rien parce que le ciel était rouge la nuit et je regardais, je me demandais mais qu'est-ce qui se passait. Et quelques jours après, donc mon grand-père m'a pris dans ses bras et m'a fait monter donc dans la forêt. Et on est arrivé en face d'un front de coulée comme ça. J'ai vu la lave qui descendait et voilà, on est descendu ensemble. Donc on peut dire que ma passion a commencé là. Ça peut être passionnant. Oui, ben, j'y pense toujours, ouais. Tu vois, puisque j'en parle encore et c'est ce qui a déterminé tout le reste, quoi. Ouais. Voilà, et à chaque éruption, de toute façon, je viens parce que c'est très beau, mais il y a des vibrations très spéciales pour moi. Ça me ramène aussi à mes origines. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis il y a ce cratère-là, tu vois. C'est là que tout a commencé. Donc moi, j'y étais une heure après, pratiquement, le début de l'éruption. Et il y avait la forêt, là, il faut imaginer qu'il y avait une forêt superbe, une forêt primaire magnifique. Ouais. Et donc, bah, je suis monté dans la forêt et comme pendant la première éruption, 1961, j'ai descendu avec la lave, tu vois, comme si l'histoire se répétait. Ouais. Et bon, les gens ont appelé cette éruption l'éruption du siècle. Pourtant, c'est le début du siècle. Mais ça veut dire qu'elle était tellement exceptionnelle que ça a impressionné beaucoup de monde. Spectaculaire. Ouais. Et les gens du village à côté eux, ils ont eu très peur. Parce que la nuit, le bruit était permanent. Hein. Il faut imaginer un grondement permanent. Et après, donc, il y avait des vapeurs partout, il y avait des pluies acides. Et c'était gênant. D'ailleurs, tous les arbres sont morts. Regarde, on les voit encore, là. Hein. Tu vois, tous ces arbres. Il y a eu un feu aussi dans la forêt. Oui, il y a eu un peu de feu, mais pas tant que ça, parce que les pompiers étaient sur place. Oui. Et donc, ils veillaient en permanence. Et puis, dès qu'il y avait le feu, ils essayaient d'éteindre. D'accord. Voilà, pour empêcher que ça se propage de l'autre côté. Voilà. Ouais. Tu vois, là, on est dans,
dans ce qu'on appelle l'enclos, tu vois, la paroi ici, oui. Et l'autre en face comme ça. Et la plupart des éruptions ont lieu ici. Donc c'est pour ça que c'est une zone inhabitée. On ne peut pas construire ici. Bon, il y a eu aussi quelques éruptions hors enclos. Hein. C'est rare. C'est arrivé deux fois déjà. Enfin, pour moi, hein, j'ai assisté à deux éruptions hors enclos déjà. Mm-hmm. Et regarde, là, il y a des plantes qui poussent. Partout, ben, la vie reprend ses droits. Et ça recommence. On dirait que c'est un nouveau cycle qui se remet en place. Et c'est très intéressant à observer. Il y a plein de phénomènes qui se passent. Et voilà. C'est vraiment passionnant. Oui, c'est passionnant. Et c'est pour ça que parfois, ben, je viens là et je viens dormir là et je regarde les étoiles. Et tu as l'impression vraiment d'être dans un autre monde quand même. Et tu vois les étoiles qui passent par-dessus la paroi comme ça. Et ben, c'est vivant, tu vois, c'est vivant. Et il y a des messages, je sais pas, qui sont délivrés comme ça. Et il faut comprendre un peu le sens. Voilà. Et il n'y a pas besoin de mots, forcément, tu vois, c'est une sorte de communion. Et je pense que c'est un peu comme toi quand tu vas dans tes galeries. Dans le monde du silence. Oui, le monde du silence. Mais c'est, oui, c'est ça, c'est le monde du silence, mais c'est un silence qui parle. Un silence qui parle. Là, tu vois, là, avant, c'était complètement plat. Donc, c'était la continuité de ce qui se passait ici. Et là, y a la ravine a creusé son lit. Et il faut imaginer que dès qu'il pleut un petit peu, il y a de l'eau partout ici, donc là ça coule, ça sort de la paroi, on peut même voir les cascades arriver comme ça, tu vois l'eau qui chemine, qui descend, et ça rajoute encore quelque chose de différent. Et il faut imaginer ces ravines qui coulent, ça met du blanc partout, il y a le bruit, tu vois, donc c'est spectacle son et lumière, en quelque sorte. Alors après le spectacle du feu, tu as le spectacle de l'eau. Oui. Ok. Tiens, viens voir Sylvain. Regarde, tu as là le principe de formation d'un tunnel de lave. Tu vois, la croûte au-dessus et la lave qui coule en dessous. D'accord. Et donc c'est comme ça que se forme un tunnel. Regarde, tu as bien les parois ici. Et un tunnel de lave se forme, comme je t'ai dit, hein, surtout en terrain plat, quand la lave ralentit. Et ce type de lave que tu as ici, la lave cordée, montre bien que la lave ici a coulé doucement. Parce qu'elle a poussé comme ça. C'est ce qui fait un peu cette peau d'éléphant là. Et comme ça coule doucement en dessous, ça refroidit. Ah, si. Et en dessous, ça continue à couler. Mais là, tu vois, dès que tu touches un peu la plante, les fourmis arrivent, hein, défendent leur territoire. En fait, elles se sont établies là. D'accord. Et puis parfois, il y a des pucerons qu'elles sont en train d'élever. Et donc, bah, ça fait partie aussi de tous les phénomènes de la vie qui se remettent en place. Donc c'est un peu leur garde-manger là. Ouais. Hop, si tu veux te faire piquer un tout petit peu. Non. Tu vois, mets ton doigt là comme ça. Regarde. Hop. Là. Bon. Alors pour redescendre, on va suivre un peu le lit de la ravine. Justement. Et tu verras un peu la différence avec tout ce qu'il y a autour. Et puis. Après avoir vu tout ce qu'il y a en surface, maintenant on va aller voir ce qu'il y a en dessous. Parce que le spectacle est aussi en dessous. Dans les tunnels de lave. Ouais. Tu imagines là que bon, on est en surface, mais qu'on peut aussi bien marcher en dessous. Quoi. Puisque il y a des tunnels partout. Eh bien, tu voulais voir un tunnel de lave ? Ben en voici. Hein. D'accord, alors ça c'est l'entrée. Oui, c'est l'entrée. On y va. Et comment s'est formé ce puits alors ? Ah ben il faut imaginer la coulée. Hein. Ça circulait vraiment sous pression. On voyait que ça giclait de partout. Et ensuite, quand ça s'est arrêté, ben, on a vu qu'il y avait cette entrée-là. Quoi. D'accord. Et bon, on a attendu un moment quand même avant de pouvoir y entrer, parce que c'était très chaud. Mmh. Et puis là, depuis quelques temps, ça y est. Voilà, Sylvain, tu es dans un tunnel de lave, mais un tunnel de lave sec. Toi qui es habitué à l'eau, tu vois, ça va te changer. Alors, tu vois ici, il y a plein de galeries qui partent dans tous les sens. Il y en a une ici, tu vois, il y en a une derrière nous, là-bas. D'accord. Il y en a une ici, il faut prendre une échelle pour monter. Il y en a une aussi qui va sous terre. Voilà. D'accord, donc là, on est dans un carrefour
de tunnel. Oui. Mais comment ça s'est formé, ça? Difficile à savoir comment ça s'est formé, parce que pendant l'éruption, personne ne pouvait venir voir. Mais on suppose que ça, c'était une sorte de goulot d'étranglement. Hein. C'est pour ça que la lave ressortait de l'autre côté. Et en même temps, elle a cherché tous les passages possibles pour circuler, c'est-à-dire à droite, à gauche, en haut, en bas, au-dessus, en dessous, partout. Quoi. Incroyable. Ouais. Mais ça, c'est toujours dû à cause de la pression énorme qu'il y a eu pendant cette éruption. D'accord. Et là, aujourd'hui, tu vas m'emmener dans quel tube, alors? Eh bien, dans celui-là, hein, celui qui descend le plus. Voilà, sous la terre. Il y a une étroiture, là. Il faut se courber pour passer dessous. Tiens, lève la tête, regarde. Ah, il est encore là? Ah ouais, il y a aussi des galeries au-dessus. Et donc, tu vois, après avoir pris les galeries en dessous, là, donc on va explorer les galeries supérieures. Bon, mais pour y arriver, c'est pas trop facile. Mais de toute façon, quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Et là, c'est tout simple, hein, il suffisait de prendre une échelle. Voilà, suis-moi. Il y a encore des galeries partout, là. Là, on est dans le réseau de galeries supérieures. D'accord. Voilà. Suis-moi, tu vas voir. Il y en a de partout, comme ça. Alors là, tu vois, Sylvain, la lave a pris deux chemins. Donc elle est passée par ici et par là aussi. Et donc, c'est comme une rivière. Quand il y a un obstacle, elle le contourne. Et ici, donc, les deux bras se rejoignent pour reformer le couloir principal. Et là, ça fait un peu comme une cascade, alors? Oui, avec l'échelle donc, qu'on vient de monter. C'est comme une cascade. Il faut imaginer que ça a dû couler comme une cascade. Ah oui. Voilà. Mais une cascade de feu. Ça change de l'eau, hein? Ah oui. Ouais. De toute façon... Et hop, de l'ombre à la lumière. Voilà. Oh, c'est pas possible. Oui, c'est là que je voulais t'emmener. Tu vois, c'est un puits de lumière. Il y a combien de haut, là? Je sais pas, il y a plus de 8 mètres, hein, je suppose. Et la lave s'est donc échappée par là. Quand on est au-dessus, on voit bien donc les écoulements. D'accord. Ouais. Regarde Sylvain, oui. Tu vois, on est dans une galerie supérieure, ici, oui. Et au-dessus, il y a encore une autre galerie supérieure. Ah oui. Voilà, donc encore des étages. Il fait plus chaud qu'en bas. Je sens la chaleur, là. Ouais. Et... Ça commence à bien chauffer, là. Ouais. Voilà. Et donc, tu vois, on est... Oh là là. Ouais, super, hein. Ouais. Ah ouais. Ouais, donc... Mais comment ça peut pousser comme ça? Écoute, on a eu la surprise de découvrir ça en pouvant arriver jusqu'ici, parce qu'au début, c'est complètement impossible, il faisait trop chaud. Et quand on a pu... Donc là, tu pouvais pas accéder? Non, c'était impossible. On pouvait pas. C'était vraiment... Il fait encore chaud quand même. Hein. Là, il fait encore chaud. Ah oui, mais quand on a pu venir ici, on s'est rendu compte que c'était la petite poussée. D'accord. Mais ça provient de... Comment ça peut pousser comme ça? Il faut un équilibre entre la chaleur, l'humidité, les gouttes qui tombent, qui sont chaudes. Alors, qu'est-ce qu'elles sont, les gouttes, pour permettre à des stalactites de grandir comme ça? Alors là, je me suis adressé à des scientifiques, hein, notamment à des gens de l'Observatoire de l'eau de La Réunion. D'accord. Je leur ai demandé de venir faire des prélèvements pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Et donc, ils ont constaté qu'il y a des taux de conductivité dans cette eau qui sont extraordinaires, qui les a vraiment étonnés. Donc hors normes.
Des particules, une concentration de particules extrêmement élevée. Jamais vue ailleurs, à tel point qu'ils pensaient que ces instruments ne marchaient pas. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, Alain, on va aller de l'autre côté du trou d'eau, parce que la galerie noyée de trou d'eau, en fait, elle part jusque sous le lagon. Mais comme il y a une étroiture et on ne sait pas où ça peut sortir éventuellement, donc on va aller chercher de l'autre côté de la barrière de corail, voir si des fois il y a des fissures qui seraient éventuellement pénétrables pour essayer de rejoindre trou d'eau par la mer. Ah ben, tu ferais une première, quoi. Voilà, à ce moment-là, je ferai une première. Ouais. Comme nous dans les galeries sèches, quoi. Voilà, mais là, ça sera rempli d'eau. Thank you.
recherches sur plusieurs jours se sont avérées vaines. Ces fonds marins sont complexes à explorer. Des sorties de tunnels de lave sont là, sans nul doute. Et ils attendent une prochaine expédition. La descente. Ouais, très bien. Bon. Écoute, j'étais venu là une fois quand j'étais très jeune. Oui. J'étais resté en haut, hein, puis j'avais jeté un coup d'œil. Et jamais j'aurais pensé que je serais descendu là un jour, quoi. Là, tu vois, on est dans un tunnel du Piton des Neiges. Ah oui. Alors que jusqu'à présent, nous, on a vu les tunnels du Piton de la Fournaise. Mmh. Ce tunnel est beaucoup plus vieux. Beaucoup plus vieux. Environ. Entre 100 000 et 300 000 ans. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Et tu vois ce trou par lequel on est descendu là ? Oui. Bon, ben ça, c'est un endroit où la lave est sortie. Et donc, c'est ce qui nous a permis de venir jusqu'ici. Quoi. D'accord. C'est une sorte de regard, comme tu vois, ou de la lumière. Mais vraiment, je suis très content d'être là. Tu sais ce qu'il y a où là-bas ? Ouais. Eh bien, je vais te montrer. Ok. Donc, c'est moi qui te suis maintenant. Ok. Ouais, c'est impressionnant, hein. Le volume ici, vraiment impressionnant. Il y a un gros volume. Hein. Ouais. Tu vois là. Alors, c'est extraordinaire. Ouais. C'est la première fois que je plonge avec des bouteilles en plus. Hein. Et c'est dans un endroit comme ça. Waouh. Alors, ah, écoute ça. Je dois dire que. Pff, ça t'a plu? Ouais. Ça m'a toujours été mon rêve, tu vois. D'aller dans une galerie avec de l'eau. Eh ben voilà. Ouais. Ben, je crois que sans toi, j'aurais jamais fait ça, quoi. Et puis j'ai vu là-bas, hein, pour le début, pour vraiment aller. T'as vu, hein? En dessous, il fait noir. Ça descend bien, là. Hein. Ouais. Écoute, on est tout de suite à 10 mètres. Hein. Ouais. Je crois 10-12 mètres de profondeur. Ouais. Ouais. Bon, je te disais, il faut du courage, hein, pour plonger là-dedans. Non, il faut de la passion. C'est surtout ça. Il faut c'est maîtriser. Ça qui nous attire. Faut maîtriser. Mais bien sûr. Ok. Ouais. Je suis content. Super. D'avoir fait découvrir ça. Ça. Vraiment, ça me fait plaisir parce que, après tout ce que tu m'as montré. Ouais. Dans les tubes de lave, franchement, je pourrais bien te montrer ça. Oui, mais là, tu vois, c'est un peu un retour sur mon enfance. Ouais, oui, parce que comme je t'ai dit, j'ai vu ça il y a très très longtemps. Et puis jamais, jamais j'aurais pensé pouvoir venir là. Jamais t'aurais pensé que ouais. T'allais le faire à la palme un jour. Ouais. Ouais. Alors, vraiment, je suis content. Waouh. Super, super.